tout le monde était content de se voir, de commencer une préparation. Donc on a fait maintenant tout ce qui était les tests cardiaques, qui ne sont obligés par la FIFA. On aura une prise de sang demain à Gien aussi. Donc voilà, on va continuer notre semaine, qui va être une semaine, de, pas de révalidation, mais de mise en forme dans le volume de travail. On a fait parcours, on va faire beaucoup de parcours pour préoception, prévention de blessures, volume de course et évidemment un peu d'intensité pour monter, pour arriver pour le stage en Suède, où là ça va être le morceau physique. Ça va être un peu plus intensif pour se préparer. Donc quand arriveront les joueurs qui n'étaient pas encore là aujourd'hui, comme Mertens? Le 22, tous pour la deuxième partie. Oui, pas tous, puisqu'il y a Toby, évidemment, qui joue la finale, et Thibaut. Donc Toby viendra directement après, je l'ai eu au téléphone. Donc la finale est finie, qu'il gagne ou qu'il la perde, pour lui, ce sera directement l'équipe nationale, pour qu'il puisse jouer contre le Luxembourg. Et Thibaut viendra normalement, je dois encore en discuter avec lui, mais je lui laisse certainement 4-5 jours de repos. Il nous rejoindra le 29 ou le 30 en Suède. Et là, je ne crois pas qu'il jouera en Suède. Je vais en discuter avec lui de à quel niveau il est et comment il se sent. Voilà, je prendrai une décision avec lui à ce moment-là. Mais on en est encore loin, on a encore le temps. J'ai l'impression qu'ils ont toujours fait partie de la famille. Tu le vois comment ils connaissaient déjà pas mal de joueurs. Quand tu vois, Origi a été pris directement par Romelu, par Eden. Voilà, tout le monde a des affinités de club, de langue. Je pense que de ce côté-là, il y a... Enfin, moi, sincèrement, vous m'avez posé la question, mais j'ai dit, on n'a vraiment pas de problème jusque maintenant. Je crois que Mboyo s'était très bien intégré. Il y a des joueurs qui s'intègrent très facilement quand le groupe est très positif. Quand il y a une grosse qualité et il y a une bonne concurrence qui est saine, je ne vois pas où il y aurait de problème. Sauf si on en fait. Et